Léo. Salut. Et bienvenue pour un nouveau Vlogmas. Bon, on vous retrouve au salon avec Sam qui est juste là. Vous ne voyez pas, mais il est à côté de moi. Parce que le lundi, c'est un petit peu le jour... Alors, pour ma part, c'est le jour flemme. Mais je fais quand même plein de choses. Mais j'ai un sentiment de flemme. Je ne sais pas pourquoi le lundi. Je pense que c'est parce que le week-end, on fait beaucoup de choses. Il y a les enfants et tout et tout. Du coup, le lundi, c'est journée où on fait un petit peu de ménage, où on range. Mais à la fois, journée où j'ai l'impression... que j'ai un peu la flemme. Ouais. Je sais pas t'expliquer. C'est comme ça, ça arrive. Du coup, on s'était mis un petit peu devant la télé juste après manger pour boire le petit café. Oui. Qui est très bon au passage. Très très bon. Depuis qu'on a reçu cette machine à café de la part de Mille, qui est trop méga super génial pour faire des vrais cafés, vrais expresso. Enfin, vraiment, on se régale avec ça. Vraiment. Alors, je continue à faire mon café filtre pour le petit déjeuner parce que pour tremper les princes dedans, je trouve que c'est du gâchis de faire un vrai bon café et puis parce que c'est une plus grosse quantité ouais. à partager, c'est plus sympa. Mais pour le plaisir, après manger, à 4 heures, c'est le petit café bien comme il faut et ça fait plaisir. Du coup, ce que je voulais dire au départ, parce que je suis partie complètement de l'autre côté, c'est qu'on s'est mis à regarder une nouvelle série. Enfin, elle n'est pas nouvelle en fait. C'est juste qu'on ne l'avait pas encore regardée, c'est tout. Probablement. Ça fait un moment qu'elle était sur Netflix ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais plus. Oui. Ça s'appelle Les Anonymes. Ouais. Et c'est pas mal. Voilà. Bon, moi, je sais que je suis un petit peu plus dedans que Sam, je crois. Ouais. T'es un peu moins accroché, toi ? Non, mais j'ai hâte de voir que ça avance. Il regarde un petit peu moins. On va dire qu'il regarde en étant en même temps sur son téléphone, ce qui veut dire qu'il n'est pas à 100%. Mais moi, je la trouve plutôt sympa. Donc, voilà, on a regardé un petit épisode là pour avancer un petit peu. Et quand j'aurai terminé, on vous fera une petite update pour vous donner notre avis. Je ne sais pas si ça fait longtemps qu'elle est sortie. Du coup, je ne sais pas s'il y a plusieurs saisons, en fait. Je crois qu'il n'y en a qu'une pour le moment. Il n'y en a qu'une pour le moment. Donc, ça ne doit pas faire hyper longtemps qu'elle est sortie. Non. Ou alors... ça n'a pas bien marché, il n'y a qu'une saison, il n'y en aura plus après, et je vais être trop deg. J'aurais dû regarder avant. En fait, c'est quelque chose qu'on s'est déjà dit, ça. Maintenant, quand on regarde des séries qui ne sont pas trop nouvelles, on devrait d'abord regarder s'il y a eu des suites, avant de regarder, d'être déçu, d'arriver à la fin de la saison, de s'apercevoir qu'en fait, ça a été arrêté, et que du coup, on ne saura jamais la suite. C'est 2019, donc c'est pas vieux. Ouais, donc autant, il y aura peut-être une prochaine saison. Oui, pour l'instant, il n'y a qu'une saison. Il y a combien d'épisodes dans celle-ci ? 15. Ah, bon, ça va, il y en a pas mal. On a encore un petit peu de temps avant d'arriver au bout. Il y a de la marge. Parce qu'on est qu'au 5e, je crois. Si je dis pas de bêtises. Du coup, je parle pas trop fort quand je suis ici, parce qu'en général, bah, l'heure du café, de la petite série dans le salon, c'est l'heure de la sieste de Jessie. Mais à mon avis, là, elle va pas tarder à se réveiller. Ouais. Et il faudra qu'on aille de l'autre côté. Ouais. Parce qu'on a reçu quelque chose de très encombrant pour mettre dans mon studio, quelque chose dont je vous ai parlé, oh là là, au moins 25 000 fois sur Insta. Et ça y est, j'ai fini par prendre une décision, j'ai fini par passer commande et j'ai fini par recevoir, mais je n'ai pas encore ouvert parce que je voulais faire ça avec vous. Donc on vous retrouve de l'autre côté. Ça y est, il est réveillé ce bébé. Oui. T'as fait une bonne sieste ? Oui. Oui, j'ai les cheveux tout en bataille, ça veut dire que j'ai bien dormi. C'est ça. Oui, et je suis en train de regarder ce qu'il y a sur la table. Ça y est. J'ai quelques idées qui commencent à me venir en tête. J'ai aperçu quelque chose. Je ne vais pas tarder à y aller. On a déjà remis les petits chaussons. Oh. On va de l'autre côté ouvrir les cartons géants. Si tu veux. On profite, on la prend avec. Oui, c'est le sapin, chérie. Elle aime ce sapin. Chaque fois qu'elle le regarde, à chaque fois... Oh, la petite mèche qui rubique derrière, c'est trop chou. Jessie adore regarder toutes les petites décos qui sont sur l'étagère dans le studio. Je voulais pas filmer, mais quand j'ai demandé à Google d'allumer le salon, on a eu droit à un... Oh, coucou, t'es trop mignonne. Coucou tout le monde. Bon, le fameux gros carton est là. Ça m'a prédécoupé parce qu'il y avait plein de scotch. Hein. C'est vraiment très très bien emballé. La question que je me posais, bon, vous voyez dessus, c'est marqué navy blue. Vous avez déjà un indice sur la couleur de ce qui se trouve là-dessous. C'est est-ce qu'il est sur les pieds là ou pas? Parce qu'il me paraît bien bas ce fauteuil. Je ne sais pas. Oui, parce qu'on a quand même tous vu que c'était un fauteuil, je pense. Allez, montre-nous. J'ai pas encore regardé moi. Voilà, je suis pas du bon côté. Oh, canon. Oh. Ah non, à mon avis, il lui manque les pieds. Il est trop ras du sol, là. À mon avis, il y a un petit peu de montage.
Il a l'air trop beau. Bon, je vais donner un petit coup de main à Sam pour le sortir de là-dedans. Oui, faut ajouter les pieds. C'est ça. Parce que c'est vrai que quand on a reçu le carton, je disais à Sam, il me paraissait beaucoup plus haut et beaucoup plus massif, en fait, quand je l'ai choisi sur Internet. Donc, je l'ai trouvé sur le site Mano Mano. Au cas où vous poseriez la question, mais déjà, on va le monter, on va vous montrer à quoi il ressemble quand il sera sorti du carton. Attends, attends, j'arrive, je vais te donner un coup de main. Et ben non, Sam a décidé de le sortir tout seul. Je tire le carton. T'es un peu pris dedans, c'est bon. Oui, mais alors du coup, maintenant t'es derrière le carton, je vois plus rien, moi. Attends, je vais faire ça. Jessie, ce n'est pas une cabane, ma chérie. Ça pourrait être une bonne idée, ça. Et je vais essayer de passer de l'autre côté. Ok, où sont les pieds? Tu les as vus quelque part, les pieds? Ils sont cachés dedans, trop bien. Bon bah je voulais t'aider, mais en fait tu es en train de tout faire tout seul. Oh bah écoute, ah là t'as besoin des ciseaux quand même. Ah. Jessie veut te donner un petit coup de main aussi. Tu veux m'aider mon ouais, cœur? Du coup je récupère ça. C'est mieux quand même. Non, 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 regarde là. Non, pas les ciseaux pour Jessie. Et alors la seule chose que je me suis dite en commandant le fauteuil, c'est que peut-être, on repeindrait les pieds à un moment donné. Parce que c'est vrai que j'aurais voulu des pieds blancs pour aller avec le reste du petit salon. Donc on verra, mais on va déjà monter les pieds comme ça, on va voir ce que ça donne. Jessie veut vraiment te donner un petit coup de main. Oui, ma chérie. Tu veux m'aider mon cœur? Oh là là, c'est bien, tu ranges? Tu ranges pour aider papa? Trop mignon. Oui. Tu veux ranger la vis dans le petit sachet? Trop chou. Et on range tout. Allez. Bon, je savais que ce serait pas exactement le même bleu que le tapis, mais ça choque pas trop. Hein. Ah, je le reculerai un petit peu. Un chouïa. Ouais, comme ça. Trop beau. Oh, il y a une étiquette dessus. Alors, je me suis dit... Attends. Hop, j'attrape derrière moi. Regarde. Et voilà. Un petit fauteuil en velours qui fait un peu plus cocooning. Oh, j'adore. Trop sympa. Et du coup, celui-ci, eh bien, je vais peut-être le laisser dans ce coin-là pour le moment, en fait, tout ouais. Simplement. Et puis autant, parfois, peut-être que je mettrai ce fauteuil-là dans ce coin-là pour faire un petit endroit sympa avec l'étagère derrière et tout. Enfin, il y a plein de possibilités, mais j'allais dire, je ne l'ai pas testé. Je ne me suis pas mise dedans. Ah, je crois qu'il y en a une qui veut te rejoindre. La mais place, elle a l'air trop sympa. C'est chouette, avec le petit dossier qui est haut et tout. Tu viens, chérie? Allez, viens, tu testes aussi le fauteuil. Voilà. On est installé. Alors ? Dans notre fauteuil. Comment vous êtes, les filles ? Trop bien. On est bien, là ? Oui. Oh, Jessie, elle veut travailler. Oui, ça, c'est Jess. Non, il est sympa. Il est ferme pour le moment, mais il est tout neuf. C'est normal. C'est normal. Mais sinon, il est super sympa. Et je ne touche pas par terre maintenant qu'il y a les filles. Et coucou ! On se retrouve avec Jen. Mm-hmm. C'est l'heure de goûter. Oui. Sam est reparti pour aller chercher Josh avec Jessie. Du coup, on est toutes les deux pour le moment. Et je voulais juste savoir si tu avais passé une bonne journée. Et j'ai passé une bonne journée. Oui, rien de particulier ? Non. Une journée comme les autres, tranquille. Oui. Ok, t'as vu qu'on a fait allumer toutes les lumières et que magique. Pour l'instant, la couronne est toujours sur la table. Mais en fait, je trouve que ça fait trop beau. C'est vrai que ça fait très bien. Et je me dis que si on la met sur la porte d'entrée, à l'extérieur, on va pas en profiter. C'est vrai. D'ailleurs, au passage, il pleut encore aujourd'hui. C'est vrai. Du coup, on n'a toujours pas installé la déco à l'extérieur. Et surtout, ce à quoi j'ai pensé là en revenant du studio, c'est que pour aller ouvrir les calendriers beauté tout à l'heure, il va falloir mettre l'imperméable et passer sous la pluie. Voilà, voilà. Bon, ça va, il pleut pas hyper fort non plus. Hein. Mais il pleut. Il pleut voilà. Quand même. Et on peut toujours pas mettre la déco dehors. Parce qu'on attend quand même qu'il arrête de pleuvoir pour aller l'installer, c'est quand même plus chouette. Ouais. J'espère juste que ça va s'arrêter à un moment donné. C'est vrai. Parce que ce serait bête de l'installer genre deux jours avant Noël. Bon, sur ce, je te laisse terminer de goûter. J'imagine D'accord. que tu as des devoirs.
Oui. Et ensuite, on ira découvrir ce qui se cache dans nos calendriers de l'Avent. Ça y est, les garçons sont rentrés avec Jessie. Eux, elle fait des bisous à sa grande sœur. Mais t'es trop mignonne. Moi, j'ai fait plein de bisous. Oh là. Tu veux aller dans ta chaise? Allez, on va aller dans la chaise. Mais t'as déjà goûté? Mais oui. Mais dis donc, pourquoi tu veux revenir à table, petit bébé glouton? C'est ça, c'est un bébé glouton. Tu vas où comme ça, petit bouchon? Jessie. Je crois que c'est l'heure du calendrier de l'Avent de Jessie. Bon, on va commencer par le sien. On va ouvrir le calendrier? Petit train de Noël, tu viens dessus? Allez, c'est la case numéro 7. Si j'ai pas de bêtises. Oui, où est-elle? Ah, je la vois. Ici. C'est Jessie qui va attraper dedans si c'est pas trop difficile. C'est quoi? Oh, c'est la remorque. Est-ce que elle se met ici? Oui, trop bien. C'est la remorque de la locomotive. Voilà. Oh, ça fait un vrai petit train maintenant. C'est trop chou. Ça te plaît? Bon, elle inspecte. On va ouvrir les nôtres de calendrier gourmand. Donc, dans le grand calendrier avec les livres, case numéro... Ah, je la vois. Elle est où? Elle est juste là. Là. Ici, oui. Oh, c'est un mini Kinder Bueno. C'est trop bon les Kinder Bueno, j'adore. Ensuite, dans le petit calendrier... Ici, les 7. Oui. Oh là. Elles sont déjà ouvertes. Pas facile à ouvrir. Bon. Un chocobon? J'ai un peu détruit. Oui, un chocobon. Ok. T'as enlevé la case. Dans le grand avec le chapeau de Papa Noël, le numéro 7, il est où? 7. Ah, bravo. Je pense savoir ce que c'est. C'est une grosse case. Tu crois que dans toutes les cases du bas, c'est la même chose? Je sais pas, parce que peut-être que là aussi, c'est une chose. Kinder surprise. J'aime trop bon. Kinder. Bah, petit à petit, on remplit la boîte à gourmandise. Oui. Ensuite, il y a le calendrier de l'acre. Et le M&M's. Oui. Et pendant ce temps-là, Sam joue avec Jessie. Coucou tous les deux. Alors, le calendrier de l'acre. 7, la case 7. Where is 7? Ah, 7. Là. Alors, ici. Pas trop évident à ouvrir. Hein. Oh, c'est un cadeau. Au chocolat. Je n'ai pas encore goûté pas cela. Pas gâteau. C'est aussi gâteau. Un gâteau au chocolat. C'est, vrai, c'est, un gâteau en forme de cadeau en chocolat. Ici, 7. 7, oui. Oh, un bounty. Il y a beaucoup de bounty dans ce calendrier de l'Avent M&M's. On file de l'autre côté, sous la pluie, pour aller ouvrir les calendriers beauté. Il pleut encore, hein, Sam? Oui. Ah, mince alors. C'est parti. On a bravé la pluie pour venir ouvrir les calendriers de l'Avent pour que vous puissiez voir ce qui se trouve dans les cases numéro 7. Non, je rigole, en fait, il pleuvait plus finalement. Du tout. Alors, on est parti toujours avec le calendrier de Jen en premier. Alors, ici, non. Et je suis toujours la démonstratrice de calendrier. Ici. Oui. Ici. J'y arrive. Il n'est pas évident. À chaque fois que je remarque, j'ai un petit peu du mal. La case. C'est pas grave. Aujourd'hui, je casse les cases. Ah. Ah, j'en ai deux. Ah mince alors. Donc, non, mais prends celui que t'as vraiment l'impression que c'était celui-ci dedans. Bah, c'est celui-là. Oh, c'est un petit crayon cool. C'est un crayon aux yeux mimi. Il est trop mignon. Eh ben écoute, ouais, tu pourras le garder et puis quand il y a des make-up de spectacle, des choses comme ça à faire, tu l'auras. Tu auras ton petit crayon à toi. Tu seras plus obligé de piquer celui de maman. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Le calendrier 7. Compagnie de Provence. T'avais pas terminé, j'étais déjà au 7. Oh, j'adore les petits savons. Savon, ils sentent trop parfum bon. Extra pur. L'avant. Ça sent bon? Oh, ils sentent bon. Mmh, on sent à travers. Dommage que vous puissiez pas sentir, ça sent vraiment très 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 bon la lavande. C'est vrai que c'est bien que les gens puissent sentir ce qu'on sent. Bah ouais, mais ça on n'a pas encore trouvé le moyen, tu vois, les odeurs à travers la caméra. Et puis à mon avis, on n'a pas de mal avec. Ah! Ça n'a pas l'air... Ça a l'air gros? Non. Tu vois, elle casse toutes les boîtes aujourd'hui, toutes les cases, tout. C'est
Ah, cool. T'as un masque tissu charbon pur. Charbon. Purifiant et hydratant réducteur de pores. Tu crois qu'il... Algue noire. Tu crois qu'il est vraiment noir, du coup? Bah, je sais pas. On dirait. Ou alors il est vert couleur algue. Bah. À tester, j'adore le masque. Ça te vient de quelque part, cette passion pour les masques. Et donc... Le 7. Pardon. On les a trouvés trop vite aujourd'hui. Je l'écris, le 7. Ah non, on peut pas pousser derrière celui-là. J'y arrive. Regarde, c'est un peu de sang. Ça vient. Ça fait le... Aïe. Je me fais mal. Hein, oh là 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 là, quel sacrifice. Lotion tonifiante, facial toner, huile essentielle. Super. Des clés. Ben, j'ai quelqu'un qui m'a dit sous mon précédent vlog, celui où il y avait le produit qui s'appelle Antidote, que c'était un super produit anti-pollution et tout, parce que c'est vrai, je connais pas du tout les produits de la marque des Clés. Donc, j'ai hâte de tester tout ce que j'ai dans ce petit calendrier, parce que ça a l'air d'être vraiment de très très bons produits. Du coup, on arrive déjà à la fin de l'ouverture de tous ces calendriers de l'Avent. On espère que ce petit vlogmas vous aura fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez un jour dans la semaine où vous avez un sentiment de flemme. Parce que moi, j'expliquais ce matin que c'était le lundi. Voilà, que le lundi, j'ai un petit peu le sentiment de flemme, même si je fais plein de choses. Bah, dites-moi si vous avez un jour, si c'est un autre jour, voilà. À mon avis, le samedi et le dimanche, on n'a pas le sentiment de flemme parce que c'est le week-end, tu vois. Ouais, voilà. Ça peut dimanche, peut-être que le dimanche, c'est... Oui, mais c'est pas la flemme, c'est le côté j'ai envie de profiter, ouais, d'être tranquille ou de boire le chocolat chaud. Moi, c'est tous les jours de la semaine, la flemme. Tous les jours. Chut, faut pas lui dire. Du coup, on vous laisse, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao.